Ministère à Élie, c'était de combattre les faux prophètes. Si vous voyez, vous avez Élie, ou que vous Élie, ce n'est pas un prophète qui a enseigné Israël. Esaïe, c'est un prophète qui a enseigné les blancs. Pas Élie. Élie a une mission bien spécifique. Combattre les prophètes de Baal et l'esprit de Jézabel. Est-ce que vous l'avez vraiment? Voyez-le moi pour comprendre ça, mon gars. Les chevatistes finis. Chevatistes finis, continuez. Même mission à elle. Amen. Combattre l'esprit à Jézabel, oui, et les prophètes de Baal. Vous pouvez dire qui monde qui c'est des prophètes de Baal? Les pharisiens et les sadducéens. Lis Matthieu 23. Attentivement, ou que vous êtes les prophètes de Baal. Vous êtes là pour le royaume abouti. Jésus dit, vous êtes pour un homme et les enfants de Baal, ils se défroidissent pour l'enfer. Qui vous dit de Jézabel en tant que Jean-Baptiste et Odias? Est-ce qu'elles ont l'air? On le fera passer la prochaine message, on va dire pourquoi. Moi, je dis pourquoi Hérodias s'est détruit Jean-Baptiste. Hérodias s'est détruit Jean-Baptiste. Parce qu'après Jean-Baptiste, il paraît qu'il y a un prototype encore. Jean-Baptiste transfère le ministère là à Jésus-Christ. Amen. Ah, mais pas du temps pour rentrer à ça. Mais là, il baptisait à la rivière là. Il y a un transfert qui fait. Et Jésus prend toute autorité, puissance et l'esprit à elle là, à continuer dans l'église, non pas en Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jean-Baptiste est mort. Amen, 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 amen. Mais moi, je vais parler, on se l'a dit, mais à l'esprit à Jézabel là, ça. Et l'esprit à Baal là ça, qui a failli l'église. Et qui a tué nous petit à petit. Vous voyez, c'est Satan. C'est un malin. Mais Satan, c'est pour enterrer. Amen. Il y a l'autre monde qui comprend Satan bête. Jean-Baptiste, regardez le ministère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un ministère qui durait pas 10 ans, pas 3 ans. Le ministère à Jean-Baptiste durait 18 mois, 1 an et demi. Et regardez le dégât qui s'est fait en royaume à diable. Non, posez-toi une question. Vous qui l'avez pendant 20 ans, qui dégât vous l'avez fait en royaume à diable? Vous qui l'avez pendant 10 ans, qui dégât vous l'avez fait en royaume à diable? 18 mois. Après 18 mois, le ministère est fini. Mais il est déjà chargé Israël. Il est déjà préparé au chemin pour le Messie passé. Et Jésus même dit, parmi les hommes, il parle du bon monde qui est plus grand. Qui je baptise. Amen. Amen de ça. Parce qu'on le monde comprend, c'est quand il était temps où c'est dit mon Dieu. Non. Ah, on s'est dit mon Dieu pendant 20 ans. Mais si qui ça a offert? Amen. Qui ça a offert? C'est pas quand il était temps où c'est dit mon Dieu. C'est comment on s'est dit mon Dieu. Amen. C'est qui ça a offert? C'est qui j'ai livré corps. Amen à mon Dieu. Maman et papa, je baptise. C'était des mondes stériles. Ça veut dire naissance à Jean-Baptiste, c'est un symbole de la résurrection. Yeah. Il sortit à ton centre, il est déjà mort. Pour dire la montre par ça, que l'air comprenne
que l'esprit par l'église là, il va ressusciter l'église avec puissance et autorité. Vous pouvez comprendre bien ça, mon bâtiment au soir. Mais Jean-Baptiste paraît, il tombait avant un système qui était dominé l'église. Les pharisiens, c'était les grands chefs. Les montées frères, ils ont été couverts à terre. Les gens qui ont passé, ils ont été sortis à la rue, laissez-le passer. Est-ce qu'ils ont l'air de vous? Témoignez où ça, pour cela. Pas sur ton nom. Pas sur ton nom. Qui va ramener vous le Christ. Pas sur ton monde qui veut vous faire adorer. Je ne vais pas dire pas respecter mon nom. Faut respecter moi, mais pas adorer. Respecter le serviteur de Dieu, mais pas adorer pour nous. Amen. Nous adorons et qui montient. Amen.